Attention, ceci est une alerte météo majeure. Et salut à toutes et à le tous. Le ballon météo, l'espion de la nature. Récupérons-le. Ici Seb, j'espère que vous avez bien. Le site d'atterrissage est quelque part dans cette zone. Cherchez depuis le sol. Je me disais, mince, j'ai plus mon constructeur. Notre ami Niveau est toujours avec nous. Il y a un bonus activé. C'est quoi ça? Je crois que j'ai jamais fait de mission de ce genre. Il y a autant de feux d'artifice. C'est le roi des feux d'artifice. On ferait mieux d'attendre la nuit pour le lancer. En attendant, c'est pour une quête annexe. Ok. Autour. Donc nous le but aujourd'hui pour la quête principale c'est de trouver 5 cassettes. Je sais même plus dans quoi on les trouve. Je suis un boulet, j'ai pas regardé. Ouais, c'est deux dossiers médicaux. Ouais. T'as commencé à casser un truc toi. Une faille. Impossible. Ouais. Pas possible. Est-ce que d'ici j'arrive à l'avoir? Le dernier à l'intérieur. On dirait qu'il me voit. Pourquoi c'est qu'un hologramme? Ça. Hop, on va fouiller ça. Des balles. Ah mais elle est là-haut. Hop, je finis la faille que t'as commencé. Hein. J'ai plus de son. Non. Ah. Impossible. J'ai plus de son, c'est quoi? Ok, non. On a récupéré de la bleuite. Récompense avec du bois. Ah, ça file plein de bois. Et je suis à fond. Ok, non. Bon, et si on faisait un petit tour alors? Moi j'ai des points d'exclamation un peu partout. Ouais, moi aussi. Ça doit être les cassettes, peut-être un truc comme ça. Je vais aller voir. Commandant, Val n'est pas comme les autres. Je trouve un feu d'artifice. C'est une battante. Avec le bon entraînement, elle pourrait devenir défenseur. Je sais que vous n'avez pas le temps. Alors, voici. Il va assurer l'entraînement de Val, mais d'abord mais il a pas besoin tirer d'artifice maintenant, c'est n'importe quoi. Mais j'ai tiré un feu d'artifice. Déjà? Oui, je suis un fou. Je dois en tirer pour une quête, alors les gars, spiez pas tous, s'il te plaît. Et puis on va essayer de faire ça de nuit parce qu'il demande d'aller à ce que ça soit fait de nuit. C'est quoi ça? Un bon raga alter, on prend. Encore 4. Ok, j'ai trouvé un objet de quête. C'était un espèce de punching ball. Oh, il y a un coffre sous l'escalier. Je sais pas si c'est. Ouais, j'en sais rien. Hop, on va fouiller ça aussi. Merci. Je vais quand même essayer de le tirer. C'est encore une faille. On va essayer. Pas possible. Exploser. Ah non, d'accord.
Impossible. Non, le feu d'artifice que je pouvais lancer, c'était pour récupérer des enveloppes. C'est ça. Et j'en suis à 26 sur 40 d'enveloppes. J'en suis à 3. Ah ouais, non. Mais t'as fait pas... Ah oui, parce que ça... Alors ça, c'est les... pour ceux qui nous regardent, c'est les... C'est les quêtes de la Saint-Valentin. C'est ça. Et aussi de la fête unière. Oui, enfin, c'est... Quête de la Saint-Valentin, de la nouvelle année chinoise, de... enfin il y a plein de trucs en même temps. J'entends un bruit. Ça me donne accès à... Le problème c'est que j'ai tiré un feu d'artifice, je sais pas où est tombée la troisième lettre. Tiens, un peu d'exclamation, donc tu vas le trouver. Deux qui sont tombés à part. Ouais, y'en a que deux, moi j'ai trouvé que deux. Ok, est-ce qu'il y a un autre? Oh, bah je sais où est la zone à défendre, elle est tout en bas. J'ai dévoilé le crâne. Ah, un feu d'artifice. Il faut bien regarder, parce que normalement il y en a trois trucs qui tombent. Ah oui, mais des fois c'est deux lettres et autre chose. Par ici ! Ah, j'aime bien, il y a une des lettres qui est tombée à côté d'un autre feu d'artifice. Possible. Ils sont tombés, je vais pas arriver. Ah, y'a un truc à récupérer en dessous. Non. Là et là. Bah j'ai un truc. Du coup cette mission va être assez... même si c'est pas une mission, c'est pour récupérer des choses. On va avoir pas mal d'objectifs à faire si on a les quêtes secondaires qui ont été activées, ça c'est bien. Ouais. Oh. Non, faut pas le truc en deux jours. Là, lui, il est là, le survivant. Merci, commandant. Nous sommes de retour. Sans doute. Ah, mais j'ai trouvé une cassette sur les 5. Je vous ai promis une bonne nouvelle et je compte bien la donner avant que les générateurs rendent l'âme. Vous, moi et les 7 milliards d'autres humains avons été pris par surprise par la tempête. Mais il y a une personne qui l'avait vu venir. Je l'ai chassé au fusil à pompe là, le voleur de Bloody. Je vais vérifier une chose. Voilà, ça sera mieux. Ah, j'ai baissé un peu le son pour qu'on t'entende un peu mieux. Je vois, je vois.
Oui, on a dit que les pistolets étaient plus puissants cette fois-ci. Alors, est-ce que j'ai d'autres pistolets là, des vieux pistolets là à utiliser ? Ouais, j'en ai un gris, je vais pas utiliser le gris, je le démontrais. J'ai trouvé le site d'atterrissage. J'ai ajouté son emplacement sur votre carte. La moindre attaque des créatures de la tempête pourrait corrompre les données. Vous devriez établir des défenses autour du site d'atterrissage du ballon. On a un méga feu d'artifice prêt à être tiré! Construisez des défenses autour du feu d'artifice et allumez la mèche! Parce qu'il faut protéger le feu d'artifice aussi en plus. Si on le fait, on n'est pas obligé de le faire, c'est une activité de gros. Ouais, mais moi je vais le faire. Le feu d'artifice, c'est marrant. Du coup, on se le fait le feu d'artifice? Ouais, là pour l'instant je peux pas trop, parce que je suis en train de sauver un survivant, mais oui. Je commence à construire des trucs autour. Oh, une seconde. Impossible. Possible. Peut-être que... Je fais des portes. Bon, pas voilà. Possible. J'ai besoin d'aide. J'allume le feu. Amuse-toi bien. C'est une très longue mèche. Protégez le feu d'artifice. Ça va mal au fort. Que ça te serve de leçon. Putain, mais ils sont combien? Beaucoup. C'était pas tellement un succès. Petite, mais costaud, ces caisses. Moi, je ne mettrai pas des feux d'artifice ici, mais ce n'est que mon avis. Olé. Ah, le fusil à pompe, c'est bien, là. Ils arrivent tous en masse du même endroit. Putain, mais il y en a un qui passait par... Oh là là. Ils ont pété tous les petits feux d'artifice, quoi. Ça en fait un de lancer et on doit y en avoir un. Oh ah, mais ça fait tomber des trucs c'est en plus. C'est un dragon. C'est un lama. Oh, un lama dragon. Si ça, c'est pas magnifique. Regardez, des butins qui tombent du ciel. Des butins explosifs. Ok,
Hop, j'ai 40 enveloppes, donc là il en reste une si tu la veux. Tu trouves des balançoires aussi, je dois casser des balançoires, je sais pas pourquoi mais je dois casser des balançoires. Bah d'accord. C'est intéressant. Là là si tu continues tout droit, y a... t'as une récompense et t'as une lettre. Je continue, j'ai encore des équipements de sport à récupérer, on a... il nous reste 2 minutes 30 avant l'arrivée du ballon. On a même pas défendu la zone. Ça va. Des munitions, cool. C'est vrai. Qui est là-bas? Je vois, il commence à rêver, il descend. Et il reste 2 minutes en même temps. Donc. Bon, hop, une cassette d'écoute. Parle de Vindertech. Du jour au lendemain, la plus grosse société de technologie du monde coule. Employés renvoyés, boutiques fermées, pas un seul mot des dirigeants. Vous vous en souvenez? Bizarre, pas vrai? Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Lettre. Il paraît que les feux d'artifice ont été inventés par accident. Après tout, ça se tient. Parce que bon, ils en provoquent aussi des accidents. Bon, mieux vaut ramasser des enveloppes, porte bonheur. Ramasser des enveloppes porte bonheur. Ah non, ça ne sert à rien. Il faut que je récupère les écoutes. Ça c'est pas on ne s'en est plus une. Il me faut une pause. Il faut du costaud. Ça c'était. La zone elle est où? Elle est là-bas. Ah t'es à côté. Je suis en train de construire des trucs un petit peu. Voilà. Non. Moi je me balade et Dave Wu il fait le boulot. Toujours. Impossible. Vindertech n'a pas mis la clé sous la porte. Il savait ce qui allait arriver. Et ils s'y sont préparés. Je sais, ça ressemble à une théorie du complot. Mais j'ai des preuves. Ouais, le plus vite, j'en ai 14 par contre. Ça c'est strictement rien. 4, 3, 2, 1. Ballon arrivé. Le ballon a atterri. Défendez les données. Et merde, tombé. Non. Qu'est-ce que feu d'artifice hein. Hé hey, notre force s'est attaquée. Oh, je suis épuisé. Ça va être du long. Encore deux. Puis moi je suis à l'autre bout du pays en plus en train de ramasser des trucs. Fichier récupéré avec succès. Pas possible. Je prendrais bien une perme. Je prendrais bien des potions pour avoir plus d'énergie. Ah non, c'est les lettres que j'ai fait tomber ça tout à l'heure. Fichier récupéré avec succès. Oh. Ah oui, c'est vrai que ça récupère des fichiers au fur et à mesure. Ça va être monstre. J'ai complètement oublié ce type de mission. Oh, oh non. Aïe. Encore deux. Aïe. Ok, ils vont endommager le truc. On a perdu un fichier. On a perdu un fichier. Mais j'ai remarqué qu'on avait perdu un fichier. Ouais, du coup faut vraiment que je vienne en fait. C'est ça, ça commence à être un peu tendu. Je ne suis pas le seul à le dire.
Des rumeurs venant de Fontainebois parlent de dispositifs expérimentaux de Vindertech. Des boucliers anti-tempête, des bases. Réfléchissez-y. Quand je vous disais de ne pas perdre espoir, j'avais mes raisons. C'était pas pour être faussement rassurant. Alors, attends, faut que je... Là, tout droit, en fait. Robot Mouse a pris sa journée. Donc, fais-toi fort, encore une fois. Yeah. C'est bon. Allez, Van, en avant l'exercice. Il me manque une cassette à trouver, mais je suis sûr que c'est le point d'exclamation qui est juste à côté de toi, là, pour moi. Juste à côté du truc. Encore un fichier. J'arrive aussi vite que je peux. Oh, une seconde. Alors, ça vous plaît, les gars ? C'est là qu'il faut protéger ? Les données sont intactes. Attends, avec quoi ils montent ? Ah mais c'est des Minus, putain. Je me disais comment ça se fait qu'ils sautent. Les données sont intactes. Ça va mieux maintenant? Un petit peu, oui. Attends, je te laisse 30 secondes, j'ai le dernier truc d'écoute là, je le récupère et je reviens. J'ai des raisons de penser que ceux qui ont construit ces bases sont encore en vie et qu'ils travaillent sur un remède contre les nuages meurtriers. Il y a même une rumeur qui dit... Mais je suis bête, je sais pourquoi j'ai du mal à tuer les zombies, parce que d'habitude je prends des missions de niveau 3, là c'est une mission de niveau 5. Eh oui. Attention ! Encore un fichier ! Ennemi en vue ! Grenade lancée. Feu de camp, ça sert à quoi? Ça te régène de la vie au fur et à mesure, je crois. Awesome.
Mais après, c'est utilisé très vite, je sais pas si tu vois la vitesse d'utilisation. Ouais, j'ai vu, ouais. Ça descendait, c'était déjà. J'avais à peine passé, il était déjà à 45 sur 50. Les données sont intactes. On en a eu deux corrompus. Ça, ah, c'est pas trop mal. Surtout que t'étais tout seul au début. Allez, on va le faire. Fusil à pompe, c'est quand même bien efficace. Surtout au corps à corps, bizarrement. Fichier récupéré avec succès. Non. Un dans le dos. Enfin, les données sont intactes, presque intactes. Ouais, c'est ça. C'est bien. C'était admirable, commandant. Beau travail. Ces données nous aideront à localiser les survivants et à détecter les points faibles de la tempête. Oui, madame. Donc, faudrait qu'on fasse attention à la prochaine mission qu'on va faire. On aura sûrement encore une fusée à tirer. Moi, il m'en reste une à tirer. Ça va. Alors, on va avoir un coffre de niveau combien? Moi, je dis qu'on aura que le niveau 4. Et encore, pas sûr. Seulement le niveau 3, ça c'était mauvais. Pas le petit like avant de retourner rentrer. C'est vrai. Toujours liker ses compagnons, c'est très important. Très important, mais ça ne sert à rien. Mais c'est très important. Voilà, c'est ça. Juste pour dire que voilà, on l'a fait. Nous devons retrouver cet animateur. Parlons-en à Lars. Oh, 100 or de printemps pour une quête que j'ai faite. Ça, c'est 500 tickets d'artifice. Ah, et 3 gouttes de plus pur. Je ne crois pas que ce soit le moment de se tourner les pouces. Ça, c'est bien petit aussi. Robot. Pourquoi? Il y a un problème? On a un système de type mésocyclonique de niveau 4 avec un épais brouillard mutagène. Et on dirait bien qu'il est très en colère. Quoi? Il s'est arraché à la ligne de grain et s'est mis à capturer plein de nimbus. Et regardez cette projection! Vous comprenez un peu l'ampleur du truc? Non, mais commandant, la tempête se dirige droit vers des survivants! Voilà. Donc, prochaine mission, ça sera sauvetage des survivants. Donc, en attendant, moi, j'espère que ce nouvel épisode de Fortnite vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un joli pouce bleu, un commentaire, partager la vidéo avec vos amis. Me suivre sur Twitter, sur Facebook, les liens sont juste en dessous dans la description pour savoir quand est-ce que sortent les vidéos et quand est-ce que sont les lives accessoirement. Et sur ce, et bah, nous, on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde! Ciao ciao! Hey, watch out!